Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel d'album. Donc là, on va réaliser un album sur le thème de l'automne avec la superbe collection Espérance. Donc c'est une collection qui est toute douce dans des tons marron craft et qui va se marier à merveille avec la collection Lovely Craft. Donc j'utiliserai un papier, vous verrez, de la collection Lovely Craft. C'est celui qui sera sur la petite enveloppe qui est sur la pochette, enfin, sur la couverture du devant de l'album. Donc là, je vous montre la réalisation d'une reliure un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous faire. C'est une reliure en kit, on va dire. Je vais commencer par les tranches, puis par les pages ensuite. Donc ça va me permettre d'avoir une reliure plus facilement pour un côté déstructuré de l'album. Donc vous allez voir, hein, vous voyez d'ailleurs tout de suite que mes deux petites reliures n'ont pas les mêmes dimensions. Donc on vient les coller les unes aux autres en s'alignant bien, pardon, bord à bord. Voici, comme ceci, ce qui va nous permettre donc d'avoir des tailles de pages différentes avec ce type de reliure. Donc là, j'ai découpé mes pages aux bonnes dimensions et je viens ensuite les coller. Pareil, en faisant attention que ce soit bien bord à bord, hein, pour que ce soit joli et avoir un rendu correct. Là, j'ai découpé un petit papier en plus, de la taille de ma reliure, pour la renforcer, en fait, pour pas que ça fasse comme une charnière qui bouge dans tous les sens et que ce soit une reliure qui reste assez compacte. Donc, ce petit bout de papier va venir maintenir les deux reliures entre elles, de façon fixe et non mobile.
On passe maintenant à la réalisation de la couverture. Donc je vais venir coller mes cartonnettes à un petit papier craft. J'utilise souvent, quasiment toujours d'ailleurs, du papier craft. C'est fin et en même temps c'est souple et solide à la fois. Et c'est parfait, je trouve, pour la réalisation des reliures, comme ça, pour les assembler. C'est vraiment génial, ça tient très bien dans le temps et c'est facile à utiliser. Donc voilà, je viens bien marquer mes plis à chaque fois avant de venir coller pour que tout soit bord à bord et bien aligné. Donc, vous pouvez remarquer que j'utilise souvent des petits outils en plus comme le grand T. Le grand T, en fin de compte, vient permettre d'avoir le même espace entre les cartonnettes pour avoir justement une ouverture et une fermeture tout à fait facile, fluide et un album complètement symétrique. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Je continue avec mon papier craft. Donc ce petit outil sert à marquer les angles. Comme vous pouvez le voir, ils seront pile à la bonne dimension. Et quand ils seront collés, il n'y aura pas de surplus au niveau des angles. Vraiment une toute petite superposition, juste ce qu'il faut. Et c'est parfait.
Voilà, donc là, je viens coller le papier sur la couverture intérieure à gauche pour camoufler et pour décorer mon album. Donc c'est du papier craft, un cardstock donc épais, hein, de la même matière que celui de mes pages, hein, c'est la même chose. Et maintenant, on va venir sur le côté droit, coller les pages de mon album. Donc je prends la page du dos, hein, voilà, pareil, je lui mets plein de colle et je viens la mettre sur le côté droit de la couverture. Je passe maintenant à la décoration. Donc, on va venir habiller toutes les pages et la couverture avec les papiers de la collection Espérance. Donc, je vous mets toutes les dimensions pour les papiers de base. Voilà, vous n'avez plus qu'à prendre des petites notes pour pouvoir le réaliser ultérieurement. Quand vous choisissez vos papiers, faites bien attention du sens après dans lequel vous allez le découper pour l'adapter sur votre page. Il y a des motifs qui ont vraiment un certain sens et en fonction de comment vous mettez vos dimensions, le motif peut se retrouver à l'envers et ça peut faire un petit peu bizarre. Donc réfléchissez bien et regardez bien d'abord avant de découper dans quel sens prendre votre papier. Voilà, donc vous pouvez voir que ces papiers sont vraiment beaux, très cocooning, très doux, et c'est parfait pour la saison, pour l'automne, et pour ce type de mini-album. J'adore vraiment, ces collections Espérance est magnifique.
Donc dans mon album, vous allez retrouver, normalement si je vous dis pas de bêtises, une, deux, trois, quatre pochettes. Donc on va les réaliser au fur et à mesure. J'aime bien les pochettes parce que on peut mettre beaucoup de photos dedans. Voilà. C'est simple, c'est facile à faire, c'est rapide et ça a un effet vraiment sympathique. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre 4 photos, sachant que je mets que des rectos. Donc si j'en colle au verso, on peut en mettre 8. Donc ça a vraiment juste sur une seule page une bonne contenance. Donc là, j'ai imprimé mes photos à l'avance. Donc j'ai imprimé plein de photos que j'ai trouvées sur le site Pinterest. C'est un site que j'aime beaucoup, très grande source d'inspiration. Et comme on n'a pas tous des photos de prêtes, de disponibles, voilà. Pour vous, pour que les tutoriels soient un petit peu plus sympas, plutôt que de coller juste des fonds en tamponnant le mot photo dessus, de temps en temps, je vais imprimer voilà, des petites photos qui sont en rapport avec le thème, avec le rendu de l'album que je veux vous donner. Et voilà, là c'est juste parfait. Donc j'ai choisi des photos dans les tons de l'album, bien entendu, avec du orange, ce qui va vraiment faire ressortir le tout. Donc je viens découper mes papiers et je vais ensuite venir les coller sur du papier cardstock craft, hein, le même que j'ai fait mes pages, mes fonds de page. Ça va venir les solidifier, voilà. Et puis ça permet de pouvoir les manipuler vraiment tranquillement et sans avoir peur de les abîmer. Donc là, on passe à la réalisation de la deuxième pochette qu'on a faite exactement sur le même modèle que la première, sauf que celle-ci, elle n'est pas en horizontale, mais en verticale. Donc je vais vous couper un petit peu hein, les moments où je sélectionne mes photos, je les découpe, je les colle, voilà, pour raccourcir un petit peu la vidéo, parce que c'est vraiment des choses qui sont simples à réaliser. Donc je vous passe un petit peu certains moments.
Voilà, c'est au tour de la troisième pochette qui, elle, va venir également en verticale, voilà, au dos de la précédente. Donc moi, j'utilise de la colle parce que c'est repositionnable et au final, ça tient beaucoup mieux dans le temps. Le double face a tendance à se décoller et si vous le collez mal du premier coup, en plus, ça peut arracher votre papier. Donc la colle, c'est vraiment le mieux et le top, je trouve, pour positionner ce genre de petite pochette. Quand vous me voyez frotter avec mon doigt comme ça, c'est qu'il y a des surplus de colle qui dépassent. Et en frottant, ça en fait des petites boulettes et ça permet de les enlever et de ne pas faire de surépaisseur ou de petites dégoulinures pas belles. Donc là, je viens prendre un papier donc, de la collection Lovely Craft que je vous disais tout à l'heure pour pouvoir réaliser une enveloppe avec ma petite machine, entre guillemets, ma petite planche qui m'aide à faire les enveloppes. Je choisis les dimensions que je veux. À la base, j'étais partie pour mettre l'enveloppe sur ma page et en fin de compte, ça va pas, elle est un chouï trop grande et puis ça me plaît pas. Donc je vais finir par la coller sur la couverture de mon album et ça va faire vraiment un rendu super sympa au final. Donc là, je viens coller mon enveloppe sur du papier blanc pour avoir un petit détour autour, un petit liseré. Et du coup, elle ressortira, pardon, encore plus une fois qu'elle sera collée sur ma couverture devant. Vous allez voir. Donc ici, je suis venue prendre un rhodoïde de la collection Négatif et à l'aide du masking tape Road Trip, je vais venir le coller pour faire une petite page en plus et jouer avec les effets de transparence. Donc vraiment, j'aime beaucoup les rhodoïdes, j'en mets maintenant quasiment dans chaque album parce que le rendu est sympathique, c'est ludique et c'est un petit plus, je trouve, à l'album, un petit côté original.
Donc ici, on va venir réaliser ma quatrième pochette pour mettre des petites photos. Donc on va la faire en verticale, voilà, sur le même modèle que les précédentes, tout simplement. Alors ici, je vais venir fabriquer un rabat. Donc un rabat qui va venir se mettre en vertical, donc sur ma couverture du fond, pour pouvoir avoir un petit côté ludique et changer de la pochette. J'avais pas envie d'en mettre une cinquième, et j'ai trouvé que le rabat c'était une très bonne idée et une bonne alternative. Donc c'est tout simple à réaliser, hein. On laisse un petit centimètre, voilà, qu'on vient plier et coller en centrant bien le tout sur la page. J'utilise ici encore le masking tape pour venir cacher le rabat parce que je trouve ça pas très gracieux, on va dire. Et voilà, le petit masking tape apporte un côté assez sympathique. Donc maintenant, on rechoisit un papier de la collection Espérance pour venir décorer le dessus de ce rabat. Voilà, pour ce côté de la page, eh ben, j'utilise un petit peu toutes mes chutes que j'ai des papiers d'avant. Ça permet de ne pas avoir trop de chutes de côté et de les réutiliser. Puis ça fait un petit aspect sympathique aussi, un petit patchwork comme ça de papier. Voilà, donc je vais venir choisir maintenant les photos qui vont aller à l'intérieur de ce rabat. Voilà, je les ai matées sur mon papier craft et je viens ensuite les coller à l'aide de double face.
Je vais rajouter, comme vous pouvez le voir, du masking tape un petit peu partout. Ça va être le fil conducteur, entre guillemets, de mon album et de mes pages. Parce qu'il se marie vraiment hyper bien avec cette collection. Je l'adore, celui-là. De toute façon, j'adore les masking tape en général. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu sur chaque page pour faire un rappel. Et un petit fil conducteur, comme je vous expliquais. Souvent, dans mes albums, j'aime bien avoir un fil conducteur, un élément qui est répété. Voilà, ou un fil rouge, comme vous préférez. Et ben là, du coup, ce sera le masking tape. Donc ici, je viens mettre à l'aide d'une attache parisienne une petite flipette donc, qui va venir me servir à fermer mon enveloppe. Donc je l'ajuste correctement pour qu'elle soit pile 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 au bon endroit. Et comme ça, une fois collée, je vais pouvoir décorer le dessus de l'enveloppe, tout restera fermé. Et en ouvrant ma petite flipette, on peut rajouter des photos à l'intérieur pour que l'album soit encore plus gourmand ou un petit mot. Si c'est un album à offrir, ça peut être sympa de glisser un petit mot dedans. Voire ça peut même servir si c'est un cadeau d'anniversaire pour mettre un petit billet, voilà, un petit chèque ou des choses comme ça. Donc là, je vous présente les die-cuts de la collection Espérance, que je vais découper bien entendu hors caméra, et qui vont venir être collés et servir d'embellissement tout au long de cet album. Donc j'ai tout découpé, j'ai préparé mes dies, j'ai préparé mes tampons pareil que je suis venue découper, et on va enfin pouvoir réaliser la décoration et le montage final de l'album.
Voilà, donc un peu comme toujours, ma touche personnelle, la superposition d'embellissement. Alors ici, j'en mets un petit peu moins que d'habitude. C'est une collection qui est toute douce. Donc je trouve que voilà, de la douceur, ça suffit. Et les papiers sont tellement beaux que très peu d'éléments sont nécessaires, en tout cas pour l'album là que j'ai réalisé. Donc cette feuille d'érable, je crois, elle est vraiment magnifique. C'est un dies donc de la collection Cohérence de l'année dernière. Et j'adore. Elle est vraiment très sympathique. On peut enlever l'intérieur, le laisser, comme je l'utiliserai plus tard avec l'intérieur que j'ai laissé. Et les deux rendus sont vraiment très jolis.
Voilà, donc l'album est terminé. Je vous en fais maintenant la présentation. Voilà, il est sympathique, vraiment comme je voulais le réaliser, tout doux. Donc j'espère qu'il va vous plaire, que vous allez prendre autant de plaisir à le réaliser que moi j'en ai pris. Et puis merci de nous suivre, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous montrer vos créations. Et je vous souhaite de passer une belle journée et amusez-vous bien. À bientôt.